Et voilà, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour à ces personnes qui vous me suivent maintenant. Je suis Eddie Kamang, votre présentateur de l'émission Parcours d'Éditeur. Je suis ravi de vous rencontrer encore aujourd'hui pour assister à cette émission que nous allons partager une expérience avec un homme merveilleux. C'est le réalisateur Chokka Kaban, qui est le réalisateur d'un film qui fait la rage au niveau international, et très dénommé Earth of Africa, à qui j'ai dit déjà bonjour, M. Chokka. Bonjour, M. Eddie. Très bien, et merci de m'avoir invité. Ok, merci, c'est un grand plaisir de vous parler de ce plateau avec vous aujourd'hui. D'accord, c'est aussi un plaisir. Je crois que votre présence aujourd'hui, ça va nous aider à comprendre certaines réalités, certaines choses sur le monde, et sur le monde de l'Afrique, surtout sur le RDC. Et ma première question pour commencer, pour bien vous entrer en jeu, je veux savoir qui est Chokka Kaban. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, peut-être qu'ils ne vous connaissent pas. Et aujourd'hui, ils veulent vous connaître. Qui est Chokka Kaban? D'accord. C'est toujours un peu délicat de parler de soi-même. Chokka Kaban est réalisateur, producteur, opérateur culturel. Donc, je suis en gros un artiste qui porte plusieurs facettes. Mais je suis essentiellement dans les secteurs cinématographiques. Ok, voilà, vous avez tous compris qui est Chokka Kaban. C'est un réalisateur, un producteur et aussi un cinéaste. Et je me rappelle celui qui est le patron de la maison de production BIPA, que vous connaissez tous, qui réalise des bons films. Et aussi, c'est lui l'initiateur du Festival international africain, le Festival de Kinshasa Fikin, qui aura sa 8e édition cette année en 2021. Et si vous avez des films, un court-métrage ou un long-métrage, vous pouvez déjà s'enregistrer. Donc, toi, je vais vous donner la fiche de l'enregistrement pour les faire si vite, parce que le festival, c'est pour bientôt dans les mois qui viennent. Si tu es capable de commencer cette émission avec cette question, comment c'était votre début dans le cinéma? Oh, mes débuts dans le cinéma étaient très difficiles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'aînés devant nous ou des gens qui étaient capables de nous soutenir et de soutenir nos débuts. Il fallait apprendre le cinéma. Vous savez, il n'y a pas d'école de cinéma. Il fallait à tout moment aller sur Internet. Il fallait trouver de l'argent, d'abord pour vivre, et puis pour la connexion, et puis pour... Donc les débuts, comme tous les débuts d'ailleurs, c'était toujours... Et pour nous, c'était encore plus difficile que dans d'autres domaines, parce que le cinéma n'existait pas encore vraiment dans notre pays. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment de se lancer dans ce monde cinématographique alors que vous savez très bien que ça m'a blessé, le cinéma n'a pas vraiment d'ampleur? Depuis que j'étais enfant, j'avais besoin d'être plusieurs choses à la fois. Donc mon ambition, je voulais être médecin, je voulais être pilote, je voulais être beaucoup de choses, un grand homme d'affaires, je voulais être militaire et tout et tout. Et quand j'ai découvert le cinéma, j'ai trouvé que je pouvais être tout ça à travers un art, à travers le cinéma. Et c'est aussi parce que le cinéma, je voulais être tout ça parce que j'avais besoin de m'exprimer. Et le cinéma, pour moi, était une voie d'expression par laquelle je me sentais le plus à l'aise que possible. Raison pour laquelle j'ai choisi le cinéma comme un domaine de prédilection. Avant, le début, c'était pas facile quand vous avez commencé? Non, pas du tout, ce n'était pas facile. Il y a même quelques membres de la famille qui se demandaient, mais pourquoi un garçon aussi doué à l'école va perdre son temps à faire un art qui n'existe pas dans un pays où les gouvernements n'accompagnent pas les artistes, où le cinéma n'existe pas? Lui, il veut faire du cinéma, mais pourquoi? Donc, même moi, il y a des moments où j'ai eu des doutes, mais je me suis vraiment accroché à ce que je faisais. C'est vraiment une bonne passion pour vous. Je crois que dans les années qui viennent, peut-être vous allez aussi communiquer cela à la génération qui vient de vous RDC. C'est ce que nous faisons déjà parce que ici au Congo, comme vous savez, il n'y a pas d'école de cinéma. Mais nous avons créé des ateliers, nous avons créé des cadres d'échange. Il y a aussi mes jeunes frères qui ont aussi créé, par exemple, le Congo Panoramique, créé par mes jeunes frères, c'est-à-dire Kono Asani, Jérès Kasonga, et qui James Bart, il y a des jeunes gens qui créent, même Patricia qui est Wolonkoli, a créé aussi un cadre de partage, un cadre de... Ça commence à arriver. Hein, le partage, la connaissance, en tout cas, on les fait très bien. BIPA Production, on réalise des ateliers qui s'appellent des vidéofilms depuis plus de 5 ans, et ça a vraiment créé des cinéastes qui aujourd'hui font la fierté de la RDC. Voilà. Je sais pas que BIPA Production fait des ateliers, mais
cinéma pour encourager les jeunes qui ont la passion du cinéma. Voilà. Alors, nous voulons savoir, M. Tchopper, quelle perception vous en avez pour le cinéma congolais? Ben écoute, les perspectives ou la perception que j'ai du cinéma congolais est que c'est vraiment un cinéma qui a beaucoup d'avenir. Le cinéma congolais a beaucoup d'avenir parce que si vous regardez de près, vous allez voir qu'on a un talent que l'Afrique n'a pas. On a des talents, on a des gens exceptionnels qui sont dans le secteur du cinéma. C'est seulement que jusque-là, ils n'ont pas encore eu la chance d'être accompagnés, ils n'ont pas encore eu les moyens de s'exprimer. Mais quand les jours où ça va exploser dans ce pays, les jours où le cinéma aura vraiment, sera sous les projecteurs, vous allez voir des talents incroyables. Mais qu'est-ce qui veut que ces talents puissent émerger, puissent être connus? C'est le gouvernement qui ne met pas son argent en jeu, c'est vous-même qui n'ont pas la bonne volonté de permettre à ces jeunes-là de se découvrir. La question, ce n'est pas les gouvernements ou nous. La question, c'est une politique culturelle. Ce qui porte une politique culturelle, c'est le gouvernement, bien sûr, mais ça doit commencer par les humains. Chacun devrait reconnaître et connaître la place de la culture dans la société. Parce que ce qui constitue le gouvernement, c'est les humains, comme étant. Et si on ne les connaît pas avant même d'aller au gouvernement, ça veut dire que même quand on sera au gouvernement, on ne va rien faire. Les gens doivent comprendre que la culture est essentielle dans un pays. Quand on comprend ça, on va avoir dans les quartiers, dans les avenues, dans les communes, dans les quartiers, même dans les villes, on va avoir une politique culturelle, un moyen de canaliser les artistes, un moyen de sensibiliser à travers l'art. Ce n'est qu'à travers la culture que le développement viendra. Un homme cultivé, un homme qui n'est pas cultivé, même si vous lui donnez des milliards ou quoi que ce soit, il va rien faire avec ça. C'est la culture qui va développer ce pays. Dans cette question, on peut comprendre très bien est-ce que ce n'est pas la division entre vous, les cinéastes et les réalisateurs, qui fait que les cinémas congolais ne puissent pas avoir de l'ampleur. Parce qu'on voit des associations des artistes théâtrales, des chantres, des musiciens chrétiens profanes. Mais pourquoi pas on parle des associations des cinéastes congolais? Bon, je vais d'abord vous dire, en ce qui concerne la division ou quoi que ce soit, déjà, on ne parlerait pas de division, parce que la division, c'est quand quelque chose existe et que les gens s'utilisent. Les cinémas congolais, de manière générale, n'existent pas encore officiellement. Parce que les éléments qui peuvent prouver de l'existence de ces cinémas ne sont pas encore réunis dans ces pays depuis que ce pays est indépendant. Ok? Oui, d'une manière ou d'une autre, on peut dire que les cinémas congolais existent à travers quelques particuliers qui font du cinéma. Parlons de la division ou des malentendus ou quoi que ce soit. Quand vous allez aux États-Unis, vous croyez que tous les réalisateurs ou toutes les boîtes de production là s'entendent? Je ne pense pas. Ils ont par exemple des cadres, des associations, des cadres de partage, des cadres d'échange, oui. Même avec leur divergence, ils se retrouvent. Ça, c'est ce que nous sommes aussi en train de créer dans ce pays. En ce moment, il y a une association qui s'appelle APROCET. Et tous les cinéastes de la RDC, pas seulement des Kinshasa, mais de la RDC, pas tous, mais la majorité des cinéastes sont membres. Est-ce que c'est déjà officiel ou bien c'est encore officiel? C'est en pleine création. Je pense que les documents sont entrés. On attend juste que les documents sortent des institutions légales. Et le président, il s'appelle Jean-Jacques Cédé. Enfin, pas le président, le secrétaire général. Il n'y a pas de président? Non, il n'y a pas de président. On a un secrétaire général et un bureau. Un bureau. Parce que vous savez pas le fait qu'un président peut avoir un long terme, ça fait des problèmes, ou bien c'est votre manière de... C'est ça. Le secrétaire général joue le rôle du président. Donc c'est pareil. Okay. Voilà. Une troisième question par rapport toujours au cinéma, pour la vie qui a toujours une expérience dans ce domaine-là. C'est toujours quand même savoir, est-ce que vous avez un projet à long terme pour le cinéma congolais? Plusieurs projets. À long terme. À l'exemple de la création de petites salles de cinéma dans toutes les communes de Kinshasa. Dans toutes les communes, au moins une petite salle qui existe. Ça, c'est bon, ce sont des projets que nous avons. À part ça, il y a plusieurs autres projets qu'on appelle, par exemple, un exemple, l'éducation à l'image. C'est-à-dire, dès la maternelle, commencer à inculquer les gens les notions
et les valeurs de la culture et même l'importance du cinéma. Pour ça, quand un enfant grandit, qu'il sache déjà en quoi est-ce que le cinéma est important dans la vie de quelqu'un, en quoi est-ce que l'art ou la culture est important pour son propre développement, pour le développement de sa communauté, et pourquoi pas pour le développement du pays. Voilà. Comprenez-vous que M. Tchopéan, parce que porter le masque, c'est juste pour les gestes, mais il communique aux gens déjà de comprendre que le COVID existe. Et nous avons l'obligation de respecter les mesures voilà, que le gouvernement nous donne pour le faire. Parce que moi, j'ai pas mis de casque, hein, ce n'est pas dit que je n'ai pas de nom. Lui, il a fait ça pour communiquer une pensée, pour dire aux gens, aux clients, aux Congolais que le COVID existe, c'est réel. Donc, nous avons l'obligation de respecter les gestes barrières pour que nous puissions tous se protéger afin d'éviter cette maladie. Jean-Pierre Kabam, vous êtes réalisateur, producteur, vous venez de faire un film qui fait les rages au niveau international, H2O, et Afrique en français, qui a partout. Mais nous demandons que ce film ici en RDC, on ne regarde pas dans les chaînes de monde. Cela est dit à quoi? Ben, on a plus de centaines de chaînes de télé aujourd'hui, mais il faut dire combien de ces chaînes sont capables d'acquérir les droits d'auteur pour un film. Moi, quand j'ai commencé le cinéma, tous mes premiers films, j'allais dans des chaînes de télé qui me demandaient de l'argent pour diffuser mes films. Donc, à partir de ce moment-là, j'avais coupé les ponts avec des chaînes de télé. Et aujourd'hui, s'il y a une chaîne de télé qui vient nous solliciter, nous demandant les droits d'auteur, ou encore nous payant les droits d'auteur, on va leur donner les films. Toujours créer ou bien il peut aussi demander gratuitement. S'il y en a qui demandent gratuitement, je peux donner quelques-uns. Mais aucun de mes films n'est encore passé sur des chaînes locaux. Jusque-là, c'est parce que les chaînes de télé, de manière générale, n'ont pas de politique de distribution, de politique de production cinématographique. Alors qu'une chaîne sérieuse devrait avoir cette politique-là. Est-ce que vous comptez aussi dans les choses qui viennent? Les années qui viennent, que Libre Production puisse avoir sa propre chaîne de télévision pour permettre à les personnes qui sont au niveau national de suivre ces films parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour le sentir la vie sur notre pays, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour faire ces films à partir de plateformes, internet et tout ça. Mais créer une chaîne télévisée pour permettre à nos fans de suivre les films. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses vont tellement vite qu'au lieu de peut-être penser à une chaîne, on va peut-être penser à une application. Une application où les gens peuvent... Mais nous sommes aussi prêts à collaborer avec n'importe quelle application. C'est une application qui existe, qui met des films sur leur plateforme. Nous sommes toujours disposés à mettre des films. C'est pas collaborer avec une application par une chaîne télévisée. S'il y a une chaîne télé qui est intéressée, pourquoi pas? Pourquoi vous allez solliciter ces chaînes pour mettre vos films à attendre qu'ils viennent de l'avant? Ça, c'est ce qu'on a fait. On a perdu beaucoup de temps. Dans le passé, oui. On a perdu beaucoup de temps avec et on a compris qu'on doit avancer avec ou sans eux. Donc, si aujourd'hui il y a des chaînes qui sont intéressées, oui, mais en ce moment, on est beaucoup plus focus à autre chose qu'aller demander des espaces de diffusion pour nous. Est-ce que vous pensez que le film Air of Africa peut faire le même buzz que la vie de Paul à l'époque? Non, je ne vais pas aller jusque-là. La vie belle, c'est un film culte. C'est un film qui est fait avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de. Et je pense un jour pouvoir faire un film qui détournerait la vie belle, mais jusque-là, en tout cas, on apprend encore. Heart of Africa est un très bon film, mais je ne le comparerai pas avec La Vie est Belle. Pour moi, La Vie est Belle reste le top des tops. Top des tops. Heart of Africa, c'est un bon film, mais pas avec le même niveau que. En tout cas, avec toute modestie, je ne pense pas. Voilà, c'était M. Tchopéan Kabam qui est réalisateur, le producteur, en même temps cinéaste et aussi patron de Libre Production. Nous allons encore le revoir dans notre prochaine émission avant le festival FICUN qui aura lieu dans cette année pour nous parler de ce festival, pour nous éclaircir un peu ce qu'on a derrière. Mais avant la fin de cette émission, j'aimerais vous poser une petite question concernant le FICUN pour nous expliquer ce que c'est quoi et qu'est-ce qu'il prend dans ce festival. M. Tchopéan, pour terminer, on peut vite nous savoir c'est quoi le FICUN.
FICIM, c'est le Festival international des cinémas de Kinshasa. Nous l'avons créé parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer que dans un grand pays comme le nôtre, dans une grande ville comme Kinshasa, qu'il n'y ait pas de festival de cinéma. C'était compliqué. Et nous, étant des cinéastes, on s'est dit, non, on va prendre les choses en main, on va créer un festival. Et c'est un festival qui marche très bien depuis sa création. Nous sommes très, très contents de l'avoir installé. Et moi et mon équipe, je vais dire, le directeur du festival en ce moment, c'est M. Ephraim Faith Bouikana, qui, avec toute son équipe, nous tous y compris, on travaille vraiment d'arrache-pied pour rendre ce festival encore plus grand et encore plus prestigieux. On est déjà respecté vraiment beaucoup en Afrique et partout dans le monde. On va continuer sur cette lancée et faire de ce festival le plus grand rendez-vous du cinéma en Afrique. Voilà, là c'est une bonne idée. Le cinéma congolais maintenant au roi de l'emploi, comme Tichol Katabalou l'a si bien dit. Je crois que nous sommes à la fin de notre émission. Tichol Katabalou, je vais vous faire un message de motivation aux jeunes cinéastes qui nous suivent maintenant. Peut-être il y a ceux-là qui sont encore dans les collèges, dans les humanités, qui peut-être ils ont cette passion-là de devenir cinéaste, producteur ou même réalisateur. Peut-être ils pensent que le cinéma baissé, ces domaines n'ont pas vraiment du poids, n'ont pas de rentabilité. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire à ces personnes qui nous suivent avec la caméra? Oui, en tout cas, tout ce que je peux dire aux gens qui aspirent, aux jeunes qui aspirent à faire du cinéma, que c'est possible. Ne vous dites pas que c'est facile. Ne vous dites pas qu'il y a des gens qui vont vous donner des choses gratuitement. Dites-vous tout simplement que c'est possible. Tout celui qui travaille dans tout domaine va avoir les résultats. Il faut apprendre. Apprendre et apprendre chaque jour. Comment on écrit une histoire? Comment on utilise les matériels? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tout sujet n'est pas à faire un film. Donc, il faut travailler dur et c'est possible de réussir dans ce secteur du cinéma. C'est possible quand on est organisé, quand on est engagé, tout est possible. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Peut-être il y a des personnes qui vous ont suivi maintenant. Vous pouvez nous contacter, comment vous pouvez faire? Est-ce qu'il y a moyen de donner du corps au Oui, oui, il y a moyen. Mon numéro c'est 049-26-452. 99-26-452. Si vous tapez mon nom sur Google, YouTube, je ne sais pas moi quoi, c'est le même numéro pas sur WhatsApp, mon nom Chopper Kabambi, comme on l'a écrit, vous allez me trouver même sur Facebook et tout. On est toujours opérationnel. Si vous ne me prenez pas, Bimpa Production est là. Bimpa Production hein, sur Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, vous allez nous trouver. On est toujours vraiment aux aguets et travaille avec tout le monde. Peut-être les mots de la fin, c'est d'inviter en tout cas tout Congolais de croire au cinéma congolais, de consommer le cinéma congolais. Quand vous entendez parler d'une projection non loin de chez vous, en tout cas n'hésitez pas, venez. Quand vous voyez un tournage soutenu, les jeunes cinéastes travaillent sans argent, mais ils font un travail de qualité. C'est pas facile tout ça. Donc il faut soutenir le cinéma congolais, parce que le cinéma congolais va apporter beaucoup à la RDC. Monsieur Père, c'est pour nous un grand plaisir. Nous vous disons merci de partager ce moment avec nous. Je crois que c'est la dernière fois. Nous nous reverrons encore. Merci beaucoup. Et suivez cette émission. Suivez cette émission. En tout cas, il faut encourager la jeunesse. J'ai été honoré de venir ici. Et merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Père. Mesdames et Messieurs, je vous dis merci pour tous qui nous ont suivis de partout à la maison, dans vos télés, dans vos smartphones, dans vos tablettes, même dans les applications qui suivent cette émission Parcours des leaders sur la chaîne YouTube Pérouge et LK7. Je vous dis vraiment un grand merci. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se voit au prochain numéro. Bye. Audio Jungle.